Voyage astral numéro 5, la méthode du miroir. Il y a des méthodes qui conviennent mieux aux uns qu'aux autres, à chacun de s'entraîner et de faire des essais. Une fois qu'on a trouvé une méthode qui est efficace pour nous, il est conseillé de la perfectionner un certain temps. Avant de passer à l'exercice pratique, je vous invite à vous fixer un objectif précis à partir du moment où vous serez en dehors de votre corps physique. Par exemple, aller visiter un ami, aller visiter un pays lointain, aller sur un certain plan de l'au-delà pour visiter une personne décédée, aller rencontrer vos guides spirituels, etc., etc. Ça sera selon vos choix. Donc, dans votre tête, vous émettez l'intention forte et puissante de vous fixer tel ou tel objectif. Puis, vous vous placez allongé, les bras le long du corps, les yeux clos. Vous allez pratiquer la respiration consciente, c'est-à-dire que vous observez le va-et-vient de votre souffle, comme si votre conscience était quelque chose d'extérieur à votre corps. Observez le va-et-vient de votre souffle. Soyez attentif à votre respiration. Votre respiration va se régulariser d'elle-même. Votre cœur va se ralentir. Soyez attentif à votre respiration. Maintenant,
Détendez bien votre jambe droite. Votre jambe gauche. Votre bras droit. Votre bras gauche. Vous détendez les muscles de votre ventre. Les muscles entre les côtes. Tous les muscles du dos. Maintenant, vous imaginez un grand miroir situé sur le plafond. Vous fixez votre visage reflété au plafond par le miroir. Plus précisément, vous fixez un point situé à la racine du nez entre vos deux yeux. Vous devez conserver en même temps la conscience de votre respiration et la détente de vos muscles. Puis vous imaginez que votre visage grossit, s'agrandit, parce que vous vous rapprochez du plafond. Votre visage reflété dans le miroir au plafond occupe tout votre champ de vision. Vous
vous vous enfoncez dans votre image. Puis retournez-vous et regardez en bas. Vous devez voir votre corps étendu sur votre divan. Vous pouvez flotter quelques instants dans la pièce, faire le tour de la pièce, par exemple, puis vous décidez de vous rendre là où vous l'aviez souhaité avant l'exercice. Je vous laisse quelques minutes aller dans cet endroit encore astral. Puis vous décidez de retourner dans votre corps
physique, vous vous retrouvez très proche de votre corps physique, vous redescendez doucement dans votre corps physique, vous vous laissez happer par lui. Vous reprenez bien conscience de votre corps physique, des points de contact de votre corps avec le divan, la nuque, les épaules, les mains, les avant-bras, les jambes, les cuisses, le bassin, le dos en contact avec le divan. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, vos paumes des mains, vos doigts, vos orteils, vos plantes de pied. Remuez les doigts, les orteils. Vous ouvrez les yeux quand vous voudrez. Vous pouvez vous asseoir. La séance est terminée.